Bonjour, Jean-Loup Gosselin, responsable du secteur développement à la Blainville pour les 6-7 ans. Aujourd'hui sur le plateau, on va travailler sur une surface de 10 mètres par 15 mètres pour faire un exercice classique qui va partir d'un 1 contre 1 pour évoluer vers un 2 contre 1 puis un 2 contre 2. On va entraîner les aspects offensifs et les aspects défensifs. Tout ça les garçons, ça va? Donc on joue sur la surface bleue. D'accord? Donc entre les quatre poteaux, entre les cornes, on joue dans cette surface-là. Si je suis premier, je prends mon ballon. Ça va, je joue contre William. William rentre dans le terrain. Je vais me faire une petite touche. Je veux que le ballon soit en mouvement. D'accord? Donc je mets le ballon en mouvement. Je donne à William. Et je suis. Et là, c'est lui qui attaque. Il doit arriver à arrêter le ballon sur la ligne bleue là-bas. Moi, si je le prends, je l'arrête là-bas. On joue. Hop, je défends. S'il arrive à traverser, il va l'arrêter. Ça fait un point. Ça va? Sinon. Si les deux on est ici, que je lui reprends le ballon. Ça va, j'arrive à lui reprendre le ballon. Tac. Et là, c'est à mon tour. Si moi, je vais l'arrêter sur la ligne jaune là. Ça va? Et ensuite, on ressort de chaque côté du terrain. Tu y vas. Tu poses ton ballon et tu donnes la passe. Assez fort. Et tu rentres dans le terrain. Allez, c'est parti. N'arrête pas ce que tu vas. Voilà. C'est réussi. 1-0. Passe. Allez! Attention à la touche! Bien fait! Et tac! 2-0 pour les Bourgognes! Prochain! Ouais, vas-y! Touche et la passe! Sèche et bonne! Voilà, voilà ça! Calme-toi maintenant pour pas que tu te l'allonges! Seulement qui va sortir. Donc, si je suis avec toi, j'ai le ballon, je sors, j'y vais, et toi tu sors aussi, tu viens avec moi. Et là, on est les deux ensemble. D'accord? Et là, tu viens? Viens. Ça va? Et là, c'est le même jeu. Hop, tu peux essayer de lui faire la passe. Et là, on est deux pour essayer de te battre. Tac, hop, tu donnes. Ça va être plus dur pour les gens. D'accord? C'est fait. Par là-bas, c'est ça?
Tu veux l'amener le plus loin possible, de la, le plus près possible de la ligne, c'est ça? Ouais, ok. C'est une bonne réponse, c'est une bonne réponse. Est-ce qu'il y a d'autres façons aussi de gagner dans ce jeu-là? Quand on est tout seul, c'est dur, hein, tout seul? C'est dur, hein? Donc, contre les deux, c'est très dur. D'accord? Alors, est-ce que tu peux lui faire la passe en ce moment? Ouais, c'est proche, mais c'est dur quand même de faire la passe. Hein? Lui, il va réagir, hein, maintenant. Donc, tu vois, l'angle de passe, te donne le ballon, c'est bien. Tu vois, l'angle de passe, là, il est presque fermé entre les deux. Hein? Donc, si tu veux ouvrir l'angle de passe, faut te mettre là-bas. Et là, oui, tu peux lui donner le ballon. C'est la seule façon. Et là, s'il fait ça, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais comme ça. Ça va? Et je l'emmènerai encore près vers cette ligne-là. Et là, tu vois, est-ce que tu peux lui donner le ballon, comment? Non! Comme tu peux pas lui donner le ballon, c'est comme si lui et moi, on est à un contre un. D'une certaine façon. Parce que tu n'existes même plus. Tu joues même plus. Regarde, on ne peut pas te donner le ballon. Alors, comment tu fais pour qu'on puisse te redonner le ballon? Et là, vous êtes en train de reculer à chaque fois. Ah, ouais, c'est une bonne idée. D'accord? Donc, vous, votre jeu, les blancs, c'est de trouver les angles de passe. Les jaunes, votre jeu, c'est de le fermer le plus possible. OK? On est prêt? On se replace? On va rejouer? C'est parti, ça joue. Mal. Pas mal. Mais ça reste dur pour les jaunes.